Oula, oula! Et on est de retour. On joue de mauvais tour. Histoire de la faire à la Pokémon, je l'avais jamais fait. Petit TRP vite fait. Je sais pas si on fera cette classe forêt, mais on verra. L'avenir nous le dira. De toute façon, si je me fais péter et flinguer, je suis mort. Let's go. Faire ça comme ça, au moins ils seront bien au courant. Ils vont bien nous casser les couilles. Hop, voilà, hop. De quoi? Ah, bouge pas. Il est où ton cœur? Le cowboy il m'a dit on l'enlève. Ok. Il m'a dit on fait ça sans. Ok. Ok. T'as 5 C'est chargeurs là. les ordres du prez, c'est les ordres du prez. Suffit 5 chargeurs ou pas? Ah ouais, je vais tellement rafale. Énorme Lord? Alors? T'es énorme? Non, la dernière je l'ai donnée à la Bible. Je vais te chercher ça. Oh, Et d'ailleurs, t'as vu, maintenant on le Je me sort. tâtais de filer le shotgun, mais le prez il m'a dit ouais, donne-lui un Ok. Oh, je m'en bats les flingue. couilles, t'inquiète. Ouais, moi je me disais, t'es le shotgun, justement, genre vu que tu sais pas viser, tu vois. En vrai. Bah, c'est pour ça que moi je préfère les shotguns, mais bon, après. Bah ouais, ça irait mieux, non? On est d'accord. Ah, bah. Après, le président a dit. Hein. Bon, oh, t'inquiète, Il hein, sert à quelque chose. bah les couilles. Mais en vrai, comme ça, au moins tu tires sur le mec, tu Comment vois, là? sans Vous êtes le. comment vous? Bah, j'ai enlevé mon cuir d'après ce que Jinx m'a dit. Et Là, Lars, tout ça, vous êtes où là? Vous êtes prêt ou pas? bah là, on est dans le garage. Et t'es où toi, Prez? Et comme elle l'honneur. Vous avez filé les munitions. Magasin de vêtements. Il va Ok. changer, oh la vache. Bon écoute, on va tous se changer alors. Là, je crois que c'est Ted. T'es où Ted? Ça va les gars, je suis en Salut vêtements là. Alex. Qui ça? C'est Ted! Oh putain, ouais. Essayez de Après. rejoindre le nord comme vous pouvez prendre méthylation. Prendre méthyl. Bah du coup après j'ai un petit problème, c'est que là je suis bloqué un petit peu là. Allez Jinx, tu vas avec Jinx là. Quoi? Yes. Tu vas avec. Enfin, Lars va avec toi. Allez, vous prenez le véhicule, on y va. Ouais, niveau conduite, moi c'est pas exceptionnel gros. Hein. Attends, je conduis. Vaudrait peut-être pas mieux que ce soit Je vais toi répondre qui à puisse vous. Vous voulez pas tirer. diviser Merci en pour deux les l'info. gars? Ouais, on divise en deux. Parce que moi, La conduite c'est pas mon truc ouais. si je suis en passager, je peux tirer, je peux pas tirer. Hein. Allez, go, on y va. Ah non mais les gars. Ouais, ok, ouais. De quoi? Mais peu importe, vous Parce décidez que. là, allez-y. Ouais, non, hein. Vas-y, tu roules, Lars, vas-y, ça me va. Allez, go, on conduit, on y va. Ça roule. J'aime bien parce qu'on n'a pas les cuirs, mais avec les véhicules, on sait qui c'est. On est là dans une minute. Ouais. Et là de suite. Il y a les gars sur la métier. Là, les Vipers. Ah ouais, des copains. T'arrives pas à monter dans le lieu assez vite. Personne n'arrive à monter ou quoi? T'arrives pas à monter dans le lieu assez vite, quoi. Et Lars, il fait ou pas? Ouais, moi je peux rentrer dedans. Bah, je sais pas, essayer d'attirer les places, quelque chose.
Ah putain, je me disais pourquoi il est à 130, mais il est enculé le Caracara. Attends, allez, vas-y, laisse-moi conduire parce que moi je sais comment se débrouiller. On changera de place après. Allez, je Directement. m'arrête là. Oh putain, un gun sur toi, on est d'accord? Oui. Un Glock. On fait quoi nous Fred avec le Yosemite? Vous placez quelque part, vous attendez qu'on arrête. Ah, vous placez au niveau de, pardon, de la boule orange en face si vous attendez. Vers Sandy Shop. Et salut les tafioles, on est là? Si tu le vois un peu enculé le caracara. Non, ça va. Et ouais, Alex, biker fou. Va le chercher en bécane ou peu importe. Prends le bison, il y a le bison de dispo. Et toi, t'es où, cobaye? Point de métier. Et du coup, on est de les Vipers, mais on sait sur qui ils veulent tomber ou pas? Au niveau, on est au niveau de la boule orange là. Nickel, Et genre reste les là. Vipers, ils ont visé quelqu'un personnellement. Non, ils ont juste envie de pas se faire péter, je pense. On est en position de... Nous aussi, si on vous colle, bah vous tombez. Je vais chercher le bison encore en fourrière et je viens vous chercher à l'hôpital. Vous êtes combien à l'hôpital? Il est tout seul, Teddy. On est sur zone, tu veux une radio Ouais, commune ou pas? on fait toute l'essence, nous, dans le Yosemite. On gardera le bison pour Vas-y, les envoie-moi la opérations. fréquence. Ok, c'est reçu. Je change de fréquence, tu restes avec les autres. Reçu pour le Vas-y, Yosemite ou vas-y. pas? Ouais, on a reçu les mettre de l'essence un peu plus loin sur l'autoroute. Allez, salut. Bon, j'arrive, je t'ai dit, tiens-toi après. 70 hein, pour faire le plan. Ok. Ouais, ça marche, merci. Alors, je suis fort et clair. Le prez est sur la radio des Vipers. Comment ça va, Alex? Là, on est sur la fin du projet. Il y a une bécane qui... Il y a une voiture qui roule vite là. Ouais. Ouais, c'est reçu. Ok. On est là, on va sortir l'artillerie lourde. Il y a une voiture qui roule n'importe comment là, qui est en train de tourner là. Vous avez quoi comme véhicule autour de la zone? On est d'accord, le 4x4 là-bas, il est chelou. Ouais, reçu. Nous, on a un Caracara Yosemite là. Sur Choumash, il se passe un truc de fou malade là. De si encore. Juste à la sortie de Paléto, là, au virage, il y a les flics qui se font viser avec des armes et tout.
Ah bah écoute, hein, laisse-les se tirer dessus. Ouais, voilà, tant qu'ils tirent pas Négatif, dessus, ça va. reste. Ouais, si c'est pour du moyen, je calme, Ils hein. ont un Rebla du coup de leur côté, un espèce de X5 là. Ok. France Mer Radio. Les Vipers ont un Rebla, un espèce de RX5. X5 Par contre, c'est trop compliqué de les suivre. BMW, J'arrête pas de viser quand je rentre dedans, hein. couleur nacré vert. Ils ont un X5 BMW nacré vert. Véhicule Viper, quoi. Ils sont en train de monter sur le pont là, c'est ça? Non, ils y sont, ils y sont. T'inquiète, on chauffe. Ouais, si je galère à monter dans le véhicule, mon OP c'est pas terrible. Wow, on est un peu sur le départ, hein, comme je t'ai dit, on va pas tarder avec Delta. Mis en position. Bien sûr. Oui, on en a plein le cul là, je t'avoue. Au Texas, il y a moins de cons. Puis en plus, j'entends que t'as les Guacara qui pètent à tout bout de champ. Voilà non plus aussi pour c'est pas réellement ce qu'on a trop envie tu vois. T'es placé où toi avec ton rêve là? J'ai reçu. Nous, on est sur la montagne. T'arriverais à descendre à la station service en bas ou pas, Teddy? Non, sur la montagne à droite du Redwood. Oh, La Teddy. grosse montagne qui part vers la mer. Hein. Et mes autres gars sont de l'autre côté, au niveau de l'orange, là, de Redwood. Qui passe vite au niveau de la boule orange, mais elle a tracé. C'est le convoi de Guacara signalé absolument. Tu peux remonter direct, transmettre sa radio. Ok, si jamais vous croisez un convoi de Guacara, vous signalez direct. Ils sont en gare contre les Guacas. C'est reçu, vous voulez qu'on vous escorte quelque part? À première vue. Ça aurait été pas mal d'avoir quelques détails quand même Deux. de ce qu'on fait là. Bah en fait ils sont juste en train de prendre de la métis et à première vue ils ont eu des problèmes en ville et ils voulaient juste qu'on les aide à protéger quoi. Seule info que j'ai. Encore un Ouais, il est véhicule toujours qui sur la part en radio des vite. Vipers? Oh. Ouais, il est sur la radio des Vipers. Et du coup, par rapport au Guaca, ils sont en guerre avec, c'est ça? Je ne sais pas. Juste à première vue, si Faut jamais on passer voit par un eux. convoi de Guacara, faut leur dire. Enfin, faut le dire à Cowboy et ils s'en chargent. Ouais, c'est bon, de toute façon, nous on va remonter par la. Ouais. Comment ça va Alex? Ça a été ta journée pas trop dure? Escorte jusqu'à où tu veux, hein. Moi je m'en fous. On fera ça. J'ai vu les vidéos, c'était sympa. Mais bon, ouais. Cathy, elle a une tête. Comme je sais pas quoi, et les gamines, elles ont été relou toute la journée en plus, elles m'ont hurlé. Hurler plus sautite, c'était sympa pour Cathy.
Ils sont comment les autres, du coup, à chercher le gars à l'hôpital ou pas? Ouais, ils sont en train de remonter par la freeway. Tu veux qu'ils Ouais, reviennent c'est par vrai, là? on est toujours en stand-by. Dis-leur de patienter après U-Tool sur l'autoroute et demande-leur s'ils sont armés ou pas. Juke, t'es armé ou pas? Ok, bifurque route 68 et garde-toi au U-Tool. Et patiente pour plus d'infos. Sur armé ou pas? Juke, ouais, mais Teddy, non. Il sort de l'hôpital, Teddy, tu sais, depuis la dernière fois. Demande à radio qui c'est qui n'est pas armé. À part Teddy, tout le monde est armé. Et Teddy, t'as pas d'armes, c'est ça? Ok, c'est bien pris. Ouais, il n'y a que Teddy qui est pas armé. Tout le monde est armé. Transpire Jinx En fait, t'as qui raison, font un Teddy, il faut retour savoir. club que Je juste t'enverrai elle dans la bouche. avec la moto de Mais Juke justement, on t'entend et un peu qu'elle aille trop lui là. chercher une arme. Ok. Voilà, branché ta radio quand tu parles dedans. Ah, j'ai un peu de chance en ce moment. Allez, 2 secondes, les gars. Du coup, fais un retour au club Jinx pour aller chercher un flingue pour Jux. Pour Teddy. Ils Et reviennent en bécane ou pas? ouais, bah je sais pas, il faudrait qu'ils gardent le Yosemite et qu'ils aient limite Flash la une ou deux position. bécanes, quoi. Une ou deux bécanes rapides. Ok. Et du coup, Juke, rejoins-les directement au club. Vous prenez juste le Yosemite et deux bécanes, les deux bécanes que vous avez les plus rapides en fait. Bah, des choppers quoi. Et toi aussi, tu la rejoins au final. On remonte direct. Ils ont donc pour long encore. Non, ils doivent en récolter encore 1000 et c'est bon. Ok. Le Cara, on décroche de la position sur la montagne, on va faire le plein et on revient. C'est qu'ils ont plus personne là pour les protéger. On sera pas loin. C'est quoi la bécane là-dedans là? Ils sont Une dessus. bécane qui vient de passer sur l'autoroute, meuf. Lui qui loupe, hein. C'est nous, c'est nous. On Est-ce fait de que t'as du l'essence. liquide ou... du liquide ou Ouais, pas? j'ai du liquide, descend. Envoie, envoie, envoie. Vous m'entendez? Ouais. J'ai de l'eau. Ok, on arrive là. Je suis réveillé dans la forêt. C'est pas ce qui se passe, ils veulent pas me laisser passer pour aller à Paléto. C'est qui? C'est Joe. Ah. Bah écoute, Sors que un flingue pour c'est ça? bah prends-en un deuxième pour Joe vu qu'il est là quoi. Ouais. Attends, je suis dans la forêt, Il est où Joe? Il est dans la forêt. Au pire, au lieu du Yosemite avec le bison, on allait chercher Joe. Ouais, au pire, faites ça et on reprendra quelqu'un dans le Cara à la limite. Ouais, et dès que vous avez tout le monde dans le bison, on fera un petit échange, on prendra quelqu'un dans le Caracara. Comme ça, on fera 3-3. Ah, donc on prend pas de bécane. Non, non, prenez pas de bécane, parce que là, si ça va faire trop de monde, si on est en bécane, on sera visible. Deux véhicules, ça passe. Avec vous dans le car, ou bien. Ouais, non, mais vous le prenez avec le bison et on viendra le chercher avec le car. Des news, des Vipers? Il reste pour le moment. Ok. Retour sur zone du carin.
Salut les jeunes. Tu vois? Quoi? Je dis yo, comment tu vas? Bah ça va et toi? Ça va. Ouais, ça va. Attends, tu m'appelles, je sais pas qui c'est. Pardon. Ouvre le coffre. Quoi? J'ai ouvert son coffre sans faire exprès. Ah merde. Non, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, je me suis préparé pour l'occasion. Ouais. Putain, ah oui. D'accord, ok, tu me coules pas. Ah oui. Si on peut aider les copains. Tu disais quoi, Jux? Jojo. Moi je suis arrivé à Paléto, là je suis rentré à Paléto. Pied? J'étais à Pâte, ouais. Alors, on est sûr de me cacher. Peut-être même dans un coin, on te fait monter dans le disons. Je suis sur la grande route au niveau de Paléto. Ok. Ils en sont où les autres? Et ils ont récupéré Joe. Ok, ils sont en train d'arriver là, ils ont bientôt fini les Vipers. Ok, ok, bah du coup ils font quoi? C'est je leur dis quand même de venir ou pas? Oui, on va les escorter jusqu'au casino. Ok, drôle. Une fois que vous avez récupéré Joe, retournez à la boule orange, on va escorter les Vipers jusqu'au casino. Sur 30 mètres, ils ont fini. Ils ont fini. Mes gars, ils sont en train de revenir. Mettez-vous en stand-by qu'on puisse les sortir jusqu'au casino. Jojo, t'es où? Demande quand c'est qu'ils arrivent. Ouais. Vous avez Joe là ou pas? Ok, dites-moi quand vous êtes dans le tunnel, comme ça on les met en route. Quand vous arrivez dans le tunnel. Ok. Les gars, ils passent le tunnel. Non, 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 ils sont pas encore dans le tunnel. Non, non, je vous ai vu partir. Je leur ai dit que dès qu'ils arrivaient au tunnel, qu'ils nous disent, comme ça on leur dit de se mettre en route, parce que là, ils vont passer par la route. Ou ils passent par la terre, là, avec les UA. Passer par la route. Ouais. Vous donnez tout? Ok, envoie-moi la pause. Arrivé. Ils sont vers les rails, apparemment. Ok, ok, ils peuvent y aller là, ils sont enlevés tunnel. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Ils sont arrivés tunnel là, ils peuvent y aller. Ok, ok. Faites un arrêt boule orange. Non, dis-leur d'aller vers Yutul. Yutul maintenant. De quoi? Juke? Ouais, non, rien parce qu'on avait le prospect là qui se jetait du camion en marche. Ok. Faites un arrêt au YouTube, les gars. On entre dans le tunnel là. Vous êtes au YouTube avec le Viper, c'est ça?
Non, non, nous on est vers Yumen là-bas. Ok, ils partent direction casino là. Ok. Tu leur dis de les rejoindre direction casino sur la route de Yuga vers. Avancez sur la route, vous allez croiser deux Yuga, mettez-vous autour. Deux Yuga chromé vert comme les Vipers. Oh, fais gaffe, fais gaffe. Et ils sont passés par où, leur Yuga? Le chemin, par les rails. Ah, ok. Bécane, on n'arrive pas à voir le cœur, mais il y a une bécane sur l'autoroute. Hein. De leur position au Patayon. T'as la position de tes gars ou pas Tyron? Ouais, right, c'est une sportive. Ok, reçu. Ouais, c'est reçu. Ils sont vers où là? Casino. J'aurais dit quand même de descendre au casino aux autres ou ils font demi-temps? Ouais. Pleine balle vers le casino, les mecs. Où du coup? Casino! Réitère, j'ai rien entendu. C'est quoi la bécane avec le phare bleu là? Je sais pas. Attends, le seul qui était en vide, j'ai appelé Tiger. D'ailleurs, ouais. Ah, c'est toi qui viens de passer en bécane parlant du casino? Négatif. Ah putain, il y a une bécane avec un phare bleu comme nous, quoi. Négatif, c'est pas moi, je vais me coucher là donc. Ok, bonne nuit, d'ailleurs. Je suis casino, il y a personne. Ouais, bonne nuit. Ciao, ciao. Putain, je pensais pas que vous alliez revenir, moi. Ouais, on fait un passage éclair pour aider des copains. Ouais, vite fait, quoi. Il y a une bécane de Wakara qui vient de passer. Bah, allez, à plus tard. J'ai vu ma petite vie solo. C'est reçu. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Allez, bah, de plus tard, salut. Ciao, ciao. Ouais, je te dirai. Mais ils sont où, du coup? Pas de soucis. Bah, prépare tes gars pour un rendez-vous un peu plus tard, là, on va... Voilà. Attendez, j'attends une info du presse. J'attends une info du presse, les gars. Je sais pas. Non, 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 on n'est plus au casino. En tout cas, voilà, le plus rapidement possible. Il est en communication avec les autres. Ouais, c'est reçu. On est en face du casino de l'autre côté de la route. Là, on redescend vers la Fuente. Donc, je pense que c'est fini. Ouais, c'est fini. Ouais, c'est fini. Prépare 10 000 dollars, d'ailleurs. Il est retourné au club. Retour au club, les filles. Vous voulez la faire, la banque, ou pas? Ce soir? Non, pas ce soir. On a les plans, ce serait con de pas les faire, quoi. Et puis après, on retourne au Texas tranquillou, quoi. Ouais. Ça passe, ça passe, ça passe pas, écoute. Tu connais déjà Alcatraz, tu nous présenteras. C'est clair. Là, au moins, on dira Alcatraz pour de vraies raisons. Ouais. Ouais, il y a pas mal de guacamole, là. Fallait pas prévenir les Vipers pour ça? Non, j'étais que sur le point. Ok.
passé quoi avec les guacamoles du coup? Ils font chier sur le point de fort et de métier et ils veulent reprendre le monopole de la mété. Oh, ok, super. Après, putain, apparemment, ils ont une nouvelle drogue, c'est la kétamine, je sais pas quoi. Ouais, super. Et c'est les guacaras qui ont la kétamine? Ouais. On se demande pourquoi. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Après, en vrai, toi, moi. J'ai pris des billets, je peux prendre l'avion quand je veux. Hein. Ouais, c'est clair. Je me ferais bien un petit voyage en Bolivie. En Bolivie? Ouais, je sais pas. Visiter un petit peu les pays des tacos et tout ça, quoi. Voir comment ça vit. Voir des Boliviens. Ouais, les Boliviennes, elles sont peut-être jolies, je sais pas. J'en sais rien, moi. Bah, non plus, je sais pas, tu vois. Je me dis, si jamais, tu vois, on a de l'argent, pourquoi pas, tu vois, c'est faire un petit tour du monde, quoi. Et puis, on n'est pas si loin que ça de la Bolivie, aux États-Unis. Hein. Ouais. Mais c'est quoi ça? Pas une bagnole de flic? Je sais pas. Si, c'est une bagnole de flic. Ouais, on t'entend. Ouais, rien dedans. Vas-y, on s'arrache. Oui, on t'entend? Par contre, t'as toujours ton. Comme si, tu vois, t'as. T'entends. Comme si t'avais mis ta radio dans le cul, quoi. Wow! Wow! T'es pas passé loin. Heureusement que c'est une 4 roues motrices, hein, parce que les roues arrière, je crois qu'elles touchaient plus à un moment. Je me suis senti partir en arrière, là, les roues avant. Belle traction! Hein. T'as vu ça? Ça sent le véhicule américain, ça c'est un bon truc, hein. C'est de la qualité. C'est pas un truc de PD, ça. Ah ouais, ouais, enfin bon. C'est toi qui le dis, ça, tu vois. Il y a certains trucs d'américains, ça, ouais. Ça fait un peu homosexuel. Hein. Non, on passait pas au club, on va se faire un rendez-vous de part. Je crois qu'on va partir sur un rendez-vous avec les Vipers. Bah, je te donne la pause. Enfin, non, on prépare une pause au pire et on arrive à un endroit où t'es sécurisé. Vous êtes où là, du coup, les gars? On arrive là, Rob, parce que. Bah, je vous ai donné les infos telles que je les avais en fait. Quoi? Je vous ai donné les infos telles que je les avais. Non, mais. Oh là, putain, mais. Bon, ah, oui, on est quoi? On est hors service, je sais pas, ouais, comme il disait Luke. Enfin, ce qu'on allait faire en rendez-vous là. Non, mais bon, tu vois, c'est vu qu'on les a aidés, je crois qu'il va récupérer un billet ou un truc comme ça, je sais pas. Mais un billet de quoi on est censé partir là, je comprends plus. Et alors, tu vois, un billet de plus pour partir, ça fait du bien. Ouais. C'est tout, là. Ouais, on est au club. C'est ouais. C'est... Et les gars, moi je vous ai juste dit, on est venu aider des copains, après là, le presse. Enfin non, on n'a pas aidé, nous on a tourné. Oh, ouais. Ah bah en fait, vous avez fait les ramasseurs, comme on va dire. Désolé, c'est un peu désolé pour ça, mais bon, c'est... Ok. Mmh. Oh, du coup, on a un complet de mission. Il est au club. De quoi?
On a accompli notre mission, du coup. Ouais. Ok, bah moi j'allais me pioter comme ce que j'avais pris. Ah, écoutez, profitez bien de votre soirée. Ok. Et je vais voir Jinx parce que je pense que je dois rendre ce qu'elle m'a donné. Par contre, j'ai pas récupéré mon cuir qui était dans la voiture. Ah, tu l'avais mis dans la boîte à gants? Ouais, ils m'ont demandé de le mettre dedans. Tiens, vas-y, récupère-le. Je crois que c'est même dans le coffre. Attends, je vais regarder. Ouais, tu l'as mis dans le coffre. On est dans le club. Venez au canapé. Garde-le, garde-le. Ok. Bah, si t'es claqué, Jinx, va te piéter, hein. Je veux pas dire au revoir à tes gentils Vipers. Je range le flingue. Attends, 30 secondes. C'est pas une question de dire au revoir, mais je t'avoue que... Bah voilà, tu vois, enfin... Et ouais, mais c'est pas ça, mais là je viens de me déplacer, je viens de tourner en rond avec une voiture, enfin tu vois, flemme quoi, genre... Alors, tu sais que de temps en temps, ça se passe comme ça, hein. Là il y a des gars qui sont arrivés de tous les côtés, quoi. Mais je sais bien, mais genre... Je vais rien dire. Je vais rien dire sur ce qui s'est passé, mais bref. Bah vas-y, dis, plutôt que de ruminer. Ouais, non, mais c'est juste, tu vois, moi on me fait déplacer, c'est vous partez de votre côté, nous on se tape le reste, je t'avoue, flemme en fait, tu vois, genre. Flemme, genre. C'est, bah c'est, je t'avoue c'est, que j'aurais moins. Sur pas, tu vois, genre. Moi je vais te dire, j'aurais limite préféré être en train de récupérer les gars. Parce que là, vous êtes parti faire votre life. Nous, derrière, moi, j'étais en train de récupérer les gars. Je voulais te faire un aller-retour pour des flingues, gros. Je veux bien, hein, je suis sergent d'armes maintenant. OP, OP, tu vois. Genre, de toi à moi, on était sur une montagne. Tiens, on regardait quelqu'un. Donc, c'était super. Ouais, non, mais oui, mais bon. Tourne en rond, tu vois. Genre, je t'avoue. Ouais. Non, mais t'inquiète, je comprends. Mais après, voilà, quoi, c'est. C'est pas grave, mais c'est juste. Là, les infos, on va voir pourquoi, tu vois. Genre, on va les voir et on va repartir. Genre, les voir pour la première vue, leur dire au revoir, ou je sais pas quoi, peut-être donner un truc. Ouais. Ok, ouais, je vois le genre. Après, tu fais ce que tu veux, hein, tu sais, c'est. Ouais, allez, viens. De toute façon, je crois que Sig il vient avec vous aussi. Tu vas avec eux, Sig? Non, je comptais partir, du coup. Bah, je sais pas. Il vous presse. Tu restes? On fait ça vite fait et puis bah ouais, on se casse. On va rester 30 ans. Ah non, mais moi de toute façon, les gars, c'est juste les Vipers parce que voilà, c'est les Vipers. J'ai Pirates des Caraïbes 2 qui m'attend. On le fait ce rendez-vous là Ouais, vas-y, on le fait ici, ouais. Comme ça on en parle plus. Et puis, vas-y. Vas-y, donne-moi prospect. C'est quoi, vous êtes prospect, on va bientôt se tailler. Ta gueule. Ouais, c'est pas grave. Ils évolueront à Chicago. C'est parti, ouais. Les amis! Monsieur, prospect, tu es avec nous ou? Ouais, bien sûr! J'espère que venez m'aider! Quoi, ça va partir en couille? Je sais pas, moi, je monte dans une voiture. Ouais, je monte dans une caisse aussi. Et c'est quoi, tous en famille, on monte tous dans la bagnole? On va prendre plusieurs véhicules. Ouais. J'ai envie de conduire ma moto pour une dernière fois. Ouais. Laisse-moi conduire le Pounder, par contre. Non, c'est moi qui conduis. Bon, bah, je vais dormir. C'est moi qui conduis le Pounder, cher ami. Bah, je vais me pioter. Rencontre le Pounder. Ah, ok, j'ai compris. Je crois que j'ai compris. C'est bon, t'as imprimé? Merde!
Je t'imprime, mais ouais, ok, ouais, je vois le genre. Je t'imprime, Jinx. Je t'aime, Jinx. Pourquoi tu m'aimes? Parce que je t'ai engueulé. Quoi? Parce que je t'ai engueulé dessus. Mais t'es du Mayenne ce soir, bon, dites-moi que c'est seul. Non. Pire, oh là là. Flemme, grosse flemme en fait, ouais. On va faire ce qu'on a à faire et puis... Putain, je suis chaud bouillant, là. Ouais, nous aussi, on est chaud bouillant, là. Je sais pas. Mais salut, John. Ah, ou la vache. Il y a tout qui est venu. Là, il y a toute la mette et il y a toute l'opium. Ouais. On met les trucs de cambriolage ou pas? Non, on va les garder pour faire le direct. Bon, après, je t'avouerai, je sais pas c'est combien de personnes qui vont être là, parce que je crois que Jinx, il est pas chaud, Jux, ils ont le marre. C'est Stig, il voulait aller dodo. Ils vont juste aller voir les Vipers et c'est tout, quoi. Ouais, faudra non, voir. Ce sera pas ce soir. Ouais, je sais, ce sera pas ce soir. Après, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit là, les calls entre deux radios, c'est compliqué. Tu vois, c'est y avait des gars à récupérer, il y avait tout, quoi. Tu veux prendre tous les véhicules? Non. Ouais, ouais, Exo, on va changer de projet, on va même changer de serveur et tout. C'est, y a eu quelques problèmes qui nous ont cassé les couilles. Allez, on y va. Quand tu remontes les infos, ça fait chier. Peu importe, c'est l'info qui conduit, en tout cas. Je conduis pas, moi. Et du... Quand lui, Yuga derrière, il faut. Il faut le Yuga aussi? Ouais, on prend tout. De quoi les Mayans quand ils m'ont kidnappé? Ouais, enfin c'était claqué au sol, tu vois, c'est. Moi ça me dérangeait pas de me faire kidnapper, mais au bout d'un moment en fait faut juste. Ils m'ont mis un coup de fusil à pompe pour zéro raison, je commençais à parler en fait. Tu vois, c'est. Si t'as pas la possibilité de discuter un chouïa, c'est de la merde quoi. Ah, style! Ah oui, non, je croyais que tu avais dit stylé. Oui, non, c'est totalement ça, oui. Parce que le lendemain, en fait, ils nous ont suivis. En fait, ils ont encerclé notre QG pendant 20 minutes. On est allé voir les staffs. Et grosso merdo, pas grave. Il faut leur donner les règles, machin, tout ça, tu vois, c'est... Flemme. Franchement, grosse flemme. Ça va, les jeunes? Ça va, et vous, tranquillement? Oui, ça va, oui, ça va. Ah putain, les gars, vous avez volé les fauteuils d'erreur ou ça se passe comment? Ouais. Vous avez volé les fauteuils d'erreur ou quoi? Bien sûr, attends, on les a fait partir, on a récupéré les fauteuils. Vous avez les 20K? Ouais, c'est lui qui les a. Ah bah non, c'est. Ouais, putain, je suis trop con. Bah oui. Merci. C'était Ril qui les a. Bon, les jeunes. Ouais, dis-moi. C'est avec ce grand malheur, ou j'en sais rien, qu'on vous dit adieu.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous ouvre les portes c'est de ça, Sésame. On est d'accord. Mais... Félicitations, vous venez d'acquérir énormément de choses. Bienvenue dans un monde nouveau pour vous. Ce qui est à l'intérieur du Pounder vous appartient, ce qui est à l'intérieur du Kara aussi, et du Yoga. Amusez-vous bien, là. Sérieux ? Ouais. De choses dont on peut pas profiter, là. Merde. Attends. Qu'est-ce que c'est que ce délire, là ? Ah, c'est pas du délire, hein, c'est... Attends. Ça ira plus vite. Le sac à dos aussi. Le sac à dos est pour vous. Ah oui. Attends, je vais voir. Ah oui, j'aime beaucoup le sac à dos, oui, c'est vrai. Bah, regarde le Pounder, tu vas beaucoup aimer aussi. Ok, bah je vais voir. Non, c'est plus de notre sort. Attends, laisse-moi voir, Ryan. Mon copain. Vas-y, allô. Vas-y, regarde, prends si tu veux. Oh. Voilà. Bah, prends du coup. Hein. Non, par contre, ça, c'est pas dans le... C'est pas à nous, ça. De quoi ? C'est pas nous ce qu'il y a dedans. Ouais. Si, c'est pour vous aussi. Ah, c'est pour nous aussi ? Ouais. Il y a quoi dedans ? Je sais pas. Pire, mille. Ah oui. Voilà. Ryan. Ryan. Non, franchement, j'aime bien ce bordel. Hein, je sais m'adapter à la situation, c'est différent. Ouais. Mais vous êtes sûr que vous voulez partir, les gars Ouais, ouais, on se casse. C'est fini. Mais pourquoi En fait, tu vois, c'est pour faire simple. Dans une ville de trous du cul. Voilà, c'est simple. Et tu vois, quand t'es en dessous les trous du cul, se prendre de la merde sur la gueule tous les jours, c'est, au bout d'un moment, en fait, c'est salissant. Tu vois, les douches, ça coûte cher. Ouais, c'est vrai, les douches avec la facture d'eau, non, je suis d'accord, mais bon, faut s'y faire, tu vois, je pense que... En vrai, on n'est pas si mal et qu'il y a pire, tu vois, entre nous. Ouais, je sais pas trop, ça. En vrai, de vrai, non. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer le Pounder pour tout charger Vas-y, cadeau. On est tout, là. Limite, si on avait les clés du Pounder, je te les donnerais. Attends pour se baigner. Du coup, voilà, c'est à vous. Prenez ce qu'il y a à l'intérieur des véhicules et le Pounder, prenez-le aussi. Bon, il est où, Lenny, là ? Il est pas là, ça, là ? Il est pas là. Putain, on vous dirait que je lui fais un gros bisou sur les fesses. Vous avez pris ce qu'il y a dans le 4x4, les gars ? Non, bah attends, je... Non. T'es là, j'ai un peu l'âme du Nord, là. Non. Ah oui, mais l'âme du Nord, elle va disparaître. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu pour ça aussi, tu sais. C'est... Bon, de base, on se mélange pas trop, tu vois, quand même. Bah, en même temps, si les gens faisaient quelque chose pour préserver l'âme du Nord, on saurait. Alors que c'est pas le cas. Putain. Bah, il y a l'élection, là, qui arrive. Non, mais... C'est pas ça qui va changer les choses. Ouais, disons que, tu vois, c'est pas le gouvernement qui va faire des choses. Ouais. Disons que je pense qu'on a été abandonné par notre président national, tu vois. Vas-y, pas de soucis. Mais wesh. Wesh. Ouais. Attends, mais... ouais, tu m'expliques pourquoi t'as ça, toi ? Bah, non, mais... c'est mon matériel. Comment ça, c'est bah, disons qu'il a regardé dans les sacs qu'il y avait dans ce véhicule-là, quoi. Oui, franchement, c'est qui m'a donné le conseil de regarder dans le sac ? Bah, c'est le Prez, c'est Cowboy. Oui, c'est moi. Incroyable. Oh, bon conseil, hein. Franchement, bon conseil, hein. Aïe. Du coup, c'est acté, vous partez vraiment. Et bon, je cache, c'est fini. Ouais. On va essayer de revenir une fois. Non, deux fois. On laissera pas de troisième fois. La troisième fois, c'est mort. Mais pourquoi il y a quelque chose qui devait changer et au final, ça n'a pas été le cas ? Ouais, beaucoup de choses. Bah, si tu préfères, en deux jours, j'ai pris un coup de fusil à pompe dans les côtes. J'ai même pas pu discuter avec les personnes d'après ce que mes frères m'ont raconté. Et le deuxième. Qui ? Les Mayans. Et le deuxième soir, les Mayans qui nous encerclent à 200 mètres du LTD et qui rafalent dans tous les sens. D'ailleurs, proche qu'on vous aura affaire à eux, hein, parce qu'ils sont spéciaux. Hein. Ils ressemblent pas trop à des Mayans. Hein. Bah, en fait, il y a les Gotara, tu vois, on est un peu dans la même... Parle-moi fort. En fait, le jour où vous aurez affaire aux Mayans, vous le saurez directement parce qu'ils vont encercler les 200 mètres autour de chez vous.
ça va être pas mal ça. Ouais, et ils vont forcer les gens tous les jours. Et puis ils vont rouler sur la terre avec des sportives 200 km/h. Ça va. Ils vont sortir des sportives, et derrière leur président national, il va rien faire. Ils vont sortir des calibres 12 de leur cul, enfin voilà quoi. Ah, donc c'est faire un dessin quoi. Le même gabarit que les go-karts. Ah, bah je comprends pourquoi ça bien. Et bah dommage, j'aime bien vos motos. C'est bien ça, ça va changer le visage des MC en ville. Que les trous du cul. Putain. C'est du coup, ce que vous vendez vos motos, je suis intéressé. Rochard. Non, je rigole. Franchement, vendre ma moto, mec, c'est non, comme mon cuir. Non, on repart. Ouais, on repart. Week-end, je repars avec. Je comprends, j'étais bien, messieurs, eh ben, ravi d'avoir fait affaire avec vous. Peut-être un de ces jours, mais je pense pas. Partagé. Et puis, je garde espoir, peut-être à tout moment, on sait jamais. Si vous venez au Texas, ouais, ça c'est sûr que vous pourrez nous revoir, mais vous nous reverrez pas ici. Non, on mettra pas les pieds ici, ça c'est sûr. Okay. Bon. Désolé pour vous. Vive les États-Unis d'Amérique et nique ces putains de Mexicains de merde. Voilà tout. Fuck off ces Mexicains. Ouais, vive aussi le gouvernement ici. Un plaisir. Ouais. Allez, des bisous. Ciao. La prochaine fois, on vous laisse. Ciao les gars, passez une bonne soirée et bonne continuation à vous. Hein. Ça roule. Merci. Il est vide le yoga ou pas? Ouais, il est vide, je le prends. Ah, t'as pas voulu me laisser conduire le Pounder? Ah, t'as pas voulu me laisser conduire le Pounder? Des bisous, papa! Cours bien! Attends. On vient en arrière, il y a June qui va monter dedans. Ah non, je sais, mais il a pas voulu me laisser conduire le Pounder, je vais le laisser courir. Il va te tirer dessus. Je m'en bats les couilles. Allez, papa! Une, deux. Oh là là. Là, je l'attends. Ah non, je connais pas le marche arrière, il a pas voulu me laisser conduire le gros camion, donc je le fais galérer de ouf. Attends, accélère pas, c'est important, pour de vrai, c'est important. Y'a les guacas qui vont péter le Pounder derrière. Viens, on va s'amuser, mon fils, et on y va. Va avec eux, tranquillou, va avec eux. Ah, moi je suis prêt à m'amuser là, frère, ça y est, trop ils m'ont cassé les couilles, c'est le moment d'être un peu inquiet. Tiens, au sol, il est au sol le sac. Ouais. T'inquiète. C'est bon? Au sol, il y a le sac. C'est bon? Allez. Mais il est juste là, Romeo. Quoi? Il est juste là. Bah, c'est bon. Regarde, je pète, je t'enculé. Mais putain, mais. Bah oui, mais tu accélères. Vas-y, pète-le. Ah oui, mais jamais de la vie, ce sera servi. Au pire, on lui tire dans les. Autorisation de tirer dans les pneus? Chercher le Yosemite. Chercher le Yosemite, avec ça je vais rien faire avec le Yuga. Ah ouais, ça va être long. Le Yosemite, vas-y. Oh, ça va être long, fils. Ah là là, comme au début, entre père et fils. On a évolué tous les deux. Moi je suis passé secrétaire, j'étais en forceur. Ouais. Toi qui étais trésorier, tu es passé vice-président. Moi, j'étais surtout prospect. Hein. Tu étais surtout prospect, oui, c'est ça, comment. Tu es venu me voir. C'est ça. Une belle famille de Kilmister. D'ailleurs, t'as changé ton nom au Kilmister? Bah, pas ici.
On était, quand on avait fait un voyage dans l'autre ville, ouais, mais ici non. Puis franchement, mais dans, ta tête, tu es un Killmister. Ouais, t'inquiète. Un Killmister ne meurt jamais, n'oublie jamais ça, fils. Bah, j'ai pas envie de mourir. Et même si on te tire dessus, tu meurs pas, t'inquiète pas. Vous êtes où? Allons chasser ces putains de Mexicains. Ok, les gars. Putain, ça radio la fréquence 6.36. Ouais, c'est Juke, secrétaire Troussam sur la radio. Ouais. Faut se mettre d'accord. Continue à bombarder. Réellement, on battra tout le temps. Vous êtes dans l'équipe là, vous êtes où? Ils sont au niveau du YouTube. Là, il est en train de remonter direction. Ouais, Bipi Troussens ici. Bon, bah bombarde. Hein. Faites gaffe à pas vous faire prendre un guet-apens. Bah, t'inquiète. Demi-tour dès qu'ils ont vu que vous montez à l'esprit de vos vêtements. Parce que mine de rien, ils avaient l'air de bien vous chercher quand même devant la station. Ça. Mais ils nous cherchent depuis deux jours. À votre position là, le Bunder, il est où? Je vais bientôt rentrer dans la ville. T'es à fond là, fils? Bah ouais, toujours. Oh putain, ça avance pas cette connerie. Suivi ou pareil? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Quoi? J'ai rien fait. Bah t'as tapé une voiture là. Bon, un peu. Enculé une voiture même. Bon, un peu. C'est pour me chauffer, tu vois, sur les bécanes. Oh, je vois des bécanes, mec, je fais un strike! Si y a les Mayans, on s'en charge aussi. Parce que si les Mayans, faut les allumer, ces fils de pute. Ah ouais, vraiment là, faites-vous plaisir. Hein. Faites de l'élémental de ces merdes. Vraiment, on devrait la nourrir. Je vais utiliser la technique MOBI, si jamais je vois des bécanes, elles passent sous mes roues. Explique qu'ils sortent niveau de Sandy Shore. C'est la VIR qui descend de Sandy Shore. La VIR véhicule d'intervention rapide. Trop vite pour nous attendre. Par contre, son gyro me casse les couilles. Hein, quand je vois les voitures, ce qu'ils font. Ouais. Position, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sors à droite, là, ouais. L'hôtel à Clinton Avenue. Et l'attention à la descente. On a un 4x4 après tout, merde. Vas-y, mets la pause. Parce que le Clinton machin tout ça, là, je connais pas les noms de la ville, hein. Moi je connais les rues. Oh bah d'accord. Fils de pute. Belle anticipation. Ok. Donc on vous accompagne aussi ou pas? Ils vont tomber sur vous. Bah, vous voulez. On prend le Reblind Nova qui en les suit parce que bon, au moins, une cérémonie d'au revoir. Vous avez pas un kit de repa pour le carin? Si, voilà. Pas Owen. Moi, Owen. Hein?
sais pas, il a appelé un gars Owen, non? Non, Ryan. Je crois que c'est Ryan. On arrive devant chez eux comme ça là. Les Mayans, les Mayans. Oh mon dieu. Ok. Eh ouais, on fait des bouffons, Alex, nous on s'en bat les couilles. On est tout le sens. Putain de ville, elle est à nous. Non, j'ai conne. On se casse. Hey, merci. Voilà. Mais de rien. Bon, allez, on scelle les filles. Là. Allez, tout le monde dans voiture. On les raccompagne. Roger Pounder, Roger Pounder. On va les raccompagner, on va les raccompagner. Quoi, t'es sérieux? Niqué. T'es sérieux? Niqué. Non, mais vas-y, frère, tu te prends des voitures et tout. Moi, je me suis rien pris tout à l'heure avec le bison. Niqué, 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 niqué. On va faire attention, il y a Sig quand même devant. On va pas le tuer. Là, je me disais, c'est bizarre quand je suis en plein phare, j'ai encore des phares quoi. Mais c'est des phares qui sont dessus en fait, qui éclairent. J'ai pas réussi à les niquer, mais là, putain. Si on est sur la radio des amis, la connard de père. Oui, non mais vous m'avez compris, les Vipers, c'est... On sucera jusqu'à la fin, et puis voilà. Quoi? C'est toi la seule dans l'histoire, donc, hein. C'est toi qui... pour le coup, Prez, c'était ma mère, la salope, hein. Il se l'est tapé quand même. Bah, en vrai, les Vipers... Ta mère, c'était une belle grosse pute, quand même. Bah, en vrai, les Vipers, vous êtes vachement un petit spectacle de franchise de statue, là. Et maintenant, elle est juste grosse, Prez. Et papa, laisse tranquille les Vipers, nous on part de la ville, eux pas. Ouais, voilà, ouais. Les conséquences, c'est pas nous. Mais ouais, mais moi ça me fait chier juste de partir comme ça. C'est Duke. Et au pire, tu sais quoi, j'ai une idée, tu prends le pain de ces quatre de glorifié, tu t'attaches autour de toi et tu veux faire un attentat, comme ça tu ne fais pas chier. Mais c'est ça chez les Mayans, ça. Ah, si tu résistes à du C4, papa, par contre... Tu sais de quoi je suis fait, moi. Moi, je suis de conneries, ouais, je sais. Qui fait des tartines avec le pain de C4. On se marre bien. Je crois que je suis du chewing-gum, le plastique. Pendant deux temps, il s'est éclaté des deux. Surtout aussi pourquoi je veux conduire, parce que si jamais on doit tirer, moi en tant que passager, je sais pas tirer. Hein. Menteur. Ah non, 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 c'est pas menteur. Non, là, vraiment, là, j'ai senti. J'ai senti la bêtise, là, que vraiment la sortie de ta bouche. Moi, je sais conduire, je sais tirer. Tu vois les conneries là que tu fais avec les véhicules. Je regardais derrière, ta gueule. Bah ouais, ouais, bah voilà. Oui, c'est parce que j'ai vu un véhicule des Vipers s'arrêter en fait. Pourquoi la prima là quand tu conduis là, tu regardes derrière, espèce de choc là. Bah oui, parce que tu lui donnes aucune info. Oui, je donne aucune info là, on parle de la ville là, de quoi tu me parles.
Putain, ça résonne. Moi, je m'en bats les couilles. Attention, j'étais chicoté. Ah, mais chicoté. J'étais chicoté, toi. Père et Team Père. Oh la vache. Tire le frein à main à présent. Moi je dis t'as pas les couilles d'aller tout droit là. Ok, bah tu vois, t'as pas les couilles. Là d'aller tout droit, t'as pas les couilles. Ah, t'as pas les couilles. Là t'as pas les couilles d'aller tout droit. Roule encore, c'est américain. Là t'as pas les couilles. T'as pas les couilles. Moi j'aurais les couilles. Ah, loser, loser, t'as pas les couilles là, non plus d'aller tout droit. T'as pas les couilles. De croiser un. On vient de croiser tous les. Je crois qu'ils étaient tous les deux ensemble, moyen de Guacara là. Moyen de Guacara, je crois, il y avait une vingtaine de personnes. Voix de 40 motos. Ah, vous restez au club s'ils font une descente ou pas, les Vipers. On vous offre à boire. À boire. Aïe, franchement, on vous offre à boire. Il était où le convoi là? Parce que je sais pas, le Yosemite il a faim de roue de moto là. Je me réveille. Vous l'avez vu où le convoi? Quelle direction? Dans les chemins de terre en arrivant à Trapsip. Oh, à tout moment ça vient pas les tout et là je hurle de rire. Ils redescendent. Ah merde. Oh fais chier. Bah tu m'étonnes, c'est Mexicain évidemment qu'ils vont s'allier en tout. Non, c'est des Boliviens et des Mexicains, c'est pas grave. Putain, le bouffeur de la chauve. C'est qui sont passés. Ouais, mais bon, ça vient de la même espèce. Je saute. Ton propre gars. Quel connard. Là, tu voulais offrir quoi déjà à Lenny toi? Tu voulais offrir quoi déjà à Lenny? À Lenny? Je voulais lui faire plein de trucs à Lenny. Ouais. Il va me manquer Lenny hein. De quoi? Il va me manquer Lenny hein. Du coup, qu'il a pas voulu se réveiller aujourd'hui à cause de ses vignoles justement. Tiens, tu lui donneras ça. Un cuir pour lui. Je lui dirais que ça m'apporte. C'est un cuir de régulière, c'est ça? Ouais. Je lui donnerai ça. Et puis qui pense à m'envoyer des photos de son cul, même si je suis au Texas. Vas-y, carré. Et si vous voulez, tenez. Comme ça, au moins, vous nous oubliez pas. Mm-hmm. Hop là, ça y est. Ah la vache. Ah, j'ai. Non. Mais non. Ah là là. Incroyable. Et Prez. Ça n'aurait jamais pu marcher entre nous, Tyrone. C'est vrai, c'est vrai. Mais je me marie, ouais. C'est ça le pire. Mon troisième œil, il a jamais aussi bien marché. Ouais, bon bah. Ah bah, parce qu'on savait où on était. Hein. Ouais, je vois, ouais. Je vois exactement, ouais. Ah, c'est bizarre. Moi. Moi j'ai compris moi. Bah le Pounder il a vite été retrouvé hein. C'est waouh. Ouais tu vois c'est ouais. ils ont des chiens de chasse quoi tu vois genre de sentir l'odeur de l'essence et tout. Alors j'en ai pas quand sur des Yuka hein. Le pire c'est que les Yuka ils sont vides hein. C'est dinguerie. Ouais c'est on va les faire câbler. Oh. Bah courage à vous. Ouais putain, j'espère que vous, ça se passera mieux pour vous, pour nous quoi. Ouais, voilà. T'as la pinou. Ouais, je sais pas trop ce qu'il faisait mais beaucoup. Bah là ils étaient les deux ensemble et ils étaient sur le chemin de terre. Grapsis dans son chat. Ah qu'ils sont cul et qu'ils fassent des bébés, ça va leur faire du bien. Ah bah non, t'imagines la gueule des gosses là. Bah déjà alors excuse-moi t'es dit mais. Regarde la gueule du mien. Ouais, mais faut pas dire ça, les gueux. T'es un peu poussé la crotte, ça fera jamais de bébé, hein.
du moment où t'es mexicain, je suis désolé, t'es une tête de merde. C'est bon. J'ai bien dit, sa fille. Il est malade. Pigre. Allez, muchacho, c'est tout, là, c'est bon. Hein. Non, il mérite que du plomb dans le crâne. Oh là, oh là. Moi, je suis chasseur, je chasse pas du gibier, je chasse du mexicain. Eh ben, comme un bon américain. Voilà. Pigre. Ce qui est bien, c'est que ça court vite. Pas nous, pas nous, en mexicain. Bagnole. Eh ben, les gars, ils sont déjà morts. C'est drôle, ça. Da, 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 da. Vous allez me manquer, bande d'enculés, hein, c'est grave. Hein, hein quoi? Je dis, vous allez me manquer, bande d'enculés. Bah, c'est vous aussi, grave, vous allez me manquer. Bah, Tu vois, c'est. Il y a des MC comme ça qui se cassent pour que ce soit des FDP, tu vois. Ouais, ça, ouais, bah, en fait, bon. C'est surtout les MC se barrent parce que. Ça. T'as pas envie, en fait, de respecter, tu vois, tout l'univers des MC, donc. Après, tu vois, ça me fait mal à mon cuir quand tu vois, je vois certains moteurs comme ils conduisent et ce qu'ils font. Voilà, tu vois, moi j'en ai déjà croisé quand on était, même quand on avait été à Chicago. Ouais. Tu vois, quand tu vois d'autres Mayans, c'est que tu vois ceux-là. Bon, je les aime pas pour autant, tu vois, mais là, ceux-là, c'est grave quoi. Je sais pas si. Des fois, je me demande s'ils ont pas piqué leur cuir, je sais pas où là, tu vois, qu'ils ont floqué un Mayans dessus. Tu sais, avec une clip faire des roues arrière et des roues avant, je me suis dit putain, ouais, le gars il l'a modifié en Sanchez. J'ai fait waouh! En BF400, ça, tu vois, enfin. Waouh! Wow. Ouais, c'est ouais. Le moteur qu'on a vu. Ouais, j'ai vu que je passais trop longtemps sur du gear. Attends, c'est Tyrone, j'ai ton numéro, non, Tyrone? Ouais, t'as mon numéro. Attends, je peux pas t'envoyer la petite photo là? Si, tu peux. Attends, je veux l'avoir quelque part. T'as oublié. Tu sais quelle est la photo? Je l'avais mis ce truc. Et dans ton cul. Oh. Ah, faut que je remonte. Hein. Vas-y, essaye-nous pour voir si c'est à ta taille parce que t'es un peu de bide. Et voilà, ça lui va comme un gant. Et je t'ai dit, j'ai juste ça à mettre là et ça y est, je commence à péter un plomb, tu vois. Ça va, Blacky. Dans le coin. Lave-la. Là, avec envoie ça, Tyrone. Vas-y, envoie-moi ça. Tu puisses garder un petit souvenir. C'est bien ce que vous avez envie, tiens. Ouais, bah les jeux de l'alcool. Ouais, je m'en fais pas dire. Message. Ouais. Hop! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde comme ils sont beaux, les mains. Ah bah, t'as plus pu jouer dans la douche. Ils étaient à deux dessus quand ils sont partis. Hein. Putain. On en est là quoi. Ah bah oui, c'est vraiment bon et oui. Tu veux essayer? On en est là comme tu dis, ouais. T'étais tellement bourré que tu faisais la danse de la Macarena sous la douche. En fait, j'ai tellement le cœur sous la main que j'ai envie de vous donner le carin. Non, c'est trop, garde-le ton carin. Ouais, on a envie de repartir quand même, presque. Mais oui, on a les bécanes, on en a 50 000. On est en bécane, hein. Pensez à Jean-Jean, il sera tout trajet en bécane. Ouais, chaise roulante. Je l'accroche derrière, je lui mets des roulettes sous les pieds, c'est bon. Et puis je fais une petite roue arrière, là, tu sais, comme un Mayan, ça. En tirant partout, il faut préciser. Maintenant, les MC, ça roule en japonaise et tout. Donc, Ouais, voilà. Quoi mais on verrait, hein. C'est... Et c'est quoi comme drogue de rouler une japonaise, en fait? Je sais pas. Ah, d'accord. Ça s'appelle être un FDP, je crois. Ah putain, drogue de FDP. Ah ok. Putain, elle doit être puissante celle-là comme drogue. Je te jure. À ce qui paraît, en fait, quand tu la consommes, t'as plus de cerveau. Ouais. Mais c'est moi ou. Voilà, t'es trop nul. Faut que tout ton corps y passe. Ah, je crois qu'il a dû voir une bécane passer, quoi. Regarde, ouais. Tiens, mais qu'est-ce qu'il branle? Où, Fox? Aucune idée, je sais pas. Peut-être pas vous retenir trop longtemps. Ouais, on va y aller. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais bizarrement, ça va nous attendre à la sortie de Paul et tout. Ouais, c'est sûr. Ça va être drôle, ça. Ouais, moyen. Bah, sinon, pas par Siri. Hein. Chaud, on vient avec vous. Vas-y, on les accompagne, comme ça, après, ils nous raccompagnent. Après, on les re-raccompagne. Ouais. On va peut-être tomber sur des Mexicains.
On va finir sur une petite prise d'otage. Ouais. Non, pardon. Une torture. Ah, ça, c'est bon. Ça. Oh, une belle torture. Ouais. Juste avant de partir, torture un Mexicain. Oh, bordel. Oh, putain. Vous commencez par les ongles. C'est bouffeur de nacho, là. On va lui faire bouffer ses doigts en nachos. Ou la cucaracha, la cucaracha. Bah, je te vois là. Quoi ton numéro de la Macarena? Oh, venez, j'appelle. Ah, ça marche toujours, ça. J'appelle l'autre, la des Mayans. Avec ton type kangourou, là. Mais. Là, on va laisser les Vipers repartir. Ouais. On y va? Bon, allez, bon, bah, écoutez, messieurs, allez, bonne soirée bisous, les filles. Bonne continuation, et en vrai, il y a peut-être moyen qu'on se recroise, on sait pas. J'ai pas de dire à Lenny. On t'en veut. Je lui transmets ton cadeau. Il y a un monde où on vous envoie notre adresse et vous venez quand vous voulez. De toute façon, il y a un monde. Ouais, il y a un monde, on verra bien. De toute façon, on est sur votre adresse. S'il y a un problème à la sortie de Paléto, un petit col et puis voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il va coller quoi? J'ai pas de post-it. Quoi? Mais il a dit il va coller quelque chose. J'ai pas compris, t'as dit quoi? T'as soif, ouais, si, il a soif. T'as à boire ou pas? Ouais, j'ai à boire. Ah, moi, j'ai pas à boire. Je vais boire, mais j'ai pas à boire. Ouais. Et moi, là, je tombe là maintenant. Là. Hein? C'est con ça. Tu veux faire un son pas? Pour ça. Non. Et à plus! Genre, on a des trucs à faire là. De quel côté? Mais on a rien à faire. Hein. Qui c'est qui a soif? C'est Dead. Qu'est-ce qu'on fait, Cowboy? De quoi qu'est-ce qu'il y a, Jinx? C'est en route ou... On attend... Ouais, merci. Ouais, ok. Vous radio une fois que vous êtes bien rentré chez vous, et puis on partira. Oui, t'inquiète pas. Dead, on va manger, VIP, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux, Shig? Je le baiser, s'il te plaît. Oh, les deux là, ils font quoi là? Ils menacent le presse ou quoi là? Ouais, merci. Qui menace? Oh! Let's go, c'est parti. Quoi? Mais... Ah, c'est encore toi? Ah, t'es mon corps, il y a les flics qui vont venir. C'est moi. J'ai pas de pistole! Ouais, c'est moi, ouais. C'est moi qui ai tiré, c'est moi qui ai tiré. Arrête dans le nom. On s'en fout. Je fais ma sieste. Mais ça t'a refait le même problème? Ouais. Oh putain. Quelqu'un a un petit Glock pour moi au cas où? Ah, venez, on ramène les flics souples. Ici, Tango, Charlie, le tacos est dans le four, le faritas est dans la poêle. Brian in the kitchen. Merci, je répète, Brian is in the kitchen. Ok, correction, Brian is in the chicken. Brian is in the chicanos, 10-4 brigade November qui va arrêter les Brian. Éteignez la lumière, c'est pas Versailles ici. Where is Lisa, the sister of the Brian? Ouais, c'est le fils de Greg. Wesh les gars, sérieux? Oh, comment ça, Pix, pas mal les dés? Wesh les gars. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Ah, Hitler. Oula. Oula. Oh merde! C'était pas Juke! Oh mais quel con! Je croyais que c'était Juke! Oh mon Sig! Oh mais non, Sig, je croyais que c'était Juke! Pardon! Qu'est-ce que t'as fait? Mais je croyais que c'était Juke qui t'appelle la bagnole, je lui ai mis un coup de couteau! Hey mec, tu m'entends? Mais non, c'est pas. Je croyais que c'était Juke qui était en train de taper sur la bagnole. Je me suis dit, y a que lui pour faire des conneries comme ça. Je lui ai mis un coup de couteau. C'était Sig, putain, merde. Oh, tu vois, ça aurait été Juke, j'aurais été content. Sig, ça me fait chier. Merde, Sig, pas avant de partir. Non, ça va, j'ai pas mis un gros coup de couteau, quoi. S'il te plaît. Il est bien enfoncé dans le ventre quand même, hein, j'ai vu. Mais non, on braque la banque. Oh merde. Mais putain, mais on part, mais non, on fait un truc un peu fou. Non, mais. On fait un braquage demain. Attendez.
Mais qui est demain? Y'a quoi demain? Bah, on demain ce soir, ou après-demain, ou peu importe, au pire on reviendra, on a encore les plans de la Pacifique. Mais alors, moi, vraie question, Cowboy. Ouais. On vient genre. On prévoit ça bien, tu vois? Non, on l'a fait à la Wall again. Ok. Avec les cuirs? Ouais. Ouais. Ouais, pourquoi pas. En vrai. Ouais, on revendique. Ouais, carrément. Ouais. On revendique, on fait ça, et puis après. J'aimerais bien qu'il y ait ma tête dans les journaux, tu vois. Et on est arrivé chez nous, là. Nickel. C'est jamais peut-être ah, et ça me paternel, Ah, bonne nuit à vous. Putain, papa, tu me casses les couilles. Allez, tu branles, toi. Qu'est-ce que tu branles, toi? N'hésitez pas, hein. Les trois coups de départ. Les trois coups de départ. Cool, je t'aime. Sur les couilles, je veux venir gay avec toi, putain. Désolé, j'aime pas les noirs. Ah ouais, ça parle. T'as bien raison. Attends, quoi? Bon, moi, je peux venir à la place, là? T'as mon frère. J'ai dérapé. La radio, elle bug, hein. C'est... Allô? Allô? Il aime pas le chocolat, noir. Bah, allez, les trois coups de départ, messieurs, dames. Pour qui la récolte, j'ai envie de devenir être blanc. Mais ça me casse les couilles pour Sig. Bah j'ai cru que c'était toi le débile qui était en train de taper la bagnole et je lui ai mis un coup de couteau en pensant que c'était toi. Vous savez ce que c'est un vendredi calme à l'hôpital? Non, ta gueule, ta blague de merde. C'est parce qu'ils sont tous à la mosquée. Ah, ils sont chiants. Ciao. Vas-y, ciao. Je pensais que t'allais dire Shabbat, mais bon, ça marche aussi. Tu t'es pas compté trois coups, Sig. Juke. Mon frère, je pense que tu peux aller dormir à l'hôpital. Hein. Bisous, mon fils. On se reverra. J'ai plus de flingue, alors fais gaffe. Hein. Ah ouais, il est mort, hein, déjà, non? De quoi? Bah, Sig. Bah oui, il s'est pris un coup de couteau dans le bide. Mais genre là, il est mort, il respire plus, là. Bah non, si, il respire, mais ben voilà, quoi, moi... Ah, putain, ça me casse les couilles. Bon, mon frère, tu me dis quand t'es à l'hôpital et je viendrai te chercher. Ah, j'en peux plus, Lapinou. Ah, j'en ai marre. Je voulais vraiment cut mon père qui fait tout le temps de la merde et je cut un gars qui est cool. Je suis blasé de ouf. Ah là là. Bon, allez, on va cut. Bah, pour ceux qui sont là, comme vous l'avez entendu, on va revenir une dernière soirée pour faire la Pacifica. On se la joue Vipers, scène de fin de projet sur Elders. Puis on verra comment ça se passe, on va donner du jeu. Là on a fait du jeu un petit peu avec les Vipers qui étaient les gars avec qui on s'entendait le mieux en ville. Et la prochaine fois on fera du jeu avec les EMS et les flics, les autres personnes avec qui on s'entend bien et qu'on a eu du beau jeu avec eux. Lance-grenade et lance-flamme, on les a pas. Je crois que dans GTA, en plus, il n'y a que le lance-grenade. Le lance-flamme n'existe pas. Je suis pas sûr. À moins qu'il est dans les DLC tout. Pour les Vipers, du coup. Allez-y, c'est bon pour ce soir. Donc voilà. Ouais, mais c'est la fin, j'ai pas entendu. Je vais couper. Lance-roquette, ça existe, mais c'est trop cher. On a donné tout ce qu'on avait là aux Vipers, en fait, pour 20 000 $. Histoire de passer un peu le flambeau en fait et les mettre bien quoi. Après j'espère qu'ils n'auront pas de problème avec le staff vis-à-vis de ce qu'on a fait. Si jamais le staff veut nous mettre des sanctions, c'est nous qui avons décidé de faire ça.
Donc je le dis, si jamais il y a des petits sympas qui sont sur le stream qui ont dit où était la position du pointer, vous pouvez clip et envoyer ça au staff, j'en ai rien à foutre. Voilà. C'est pas une Flika qu'on va faire, c'est une Pacifica. On va faire la Pacifique. Demain ou après-demain. Si on nous laisse la faire. Après, demain, si jamais... ouais, je sais que c'est des monos. Après, si jamais c'est soirée de la Pacifique, ça durera pas longtemps, de toute façon. Toi, t'es modo, tu devrais être tout le temps sur le stream. Je déconne, mon lapinou. C'est ça, c'est j'attends de voir, en fait, je te tiens au jus, mais... Pinou. Je te tiens au jus, de façon exo, si jamais demain soir, ils veulent le faire absolument, et que, tu vois, genre, il y a du monde, parce que si on est 4, c'est mort. Je viens sur des monos. Après, voilà, c'est juste une petite soirée de fin, et même au pire, vous commencez, j'arrive une heure après, voilà, à mon avis, ça va pas durer longtemps. Après, les scènes EMS durent pas mal de temps, parce qu'il y a des joueurs de très très bonne qualité dans les EMS et dans les Speedy. A contrario, avec les MC qui ont des joueurs de piètre qualité, d'où la raison pour laquelle on se barre. Voilà. Et puis sans compter tous les petits soucis qu'on a eu à HRP avec certaines personnes, dont les personnes se reconnaîtront. J'avoue, Lapinou, j'avoue, c'est pas... Alors attention, quand je dis ça, je n'estime pas avoir un RP magnifique, comme Lapinou peut le dire. Juste, j'essaye d'avoir une cohérence. Après, je fais des erreurs. De toute façon, comme ma mère a toujours dit, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreurs. Voilà. Écoutez, les filles, je vais cut. Je vais très certainement raid un petit... Non, mais je parlais de ton piètre au niveau de RP. Bah oui, je sais. Mais justement, je suis pas en train de me dire que j'ai un niveau de RP de fou malade, mon petit Lapinou. C'est je ne suis pas aussi nombriliste que ça pour dire que j'ai le meilleur RP du monde. Ça serait un peu un but de ma personne. Mais en tout cas, j'ai passé de très très bons moments avec les Troussons. C'est pour ça que j'espère que le groupe arrivera à fonctionner dans un autre projet, parce que mentalité très sympa, très cool, on s'amuse, que ce soit sur GTA ou sur d'autres jeux à côté. Donc franchement, le point positif d'Air Live, c'est qu'on a pu tous se rencontrer. Qu'est-ce que tu me disais en MP ce matin? Vas-y, balance le screen. T'es de modo, t'as le droit de balancer tous les screens. Voilà. Allez, défi. Balance-moi des screens de ce que je t'ai envie ce matin. Je suis curieux, tu vois. Alors, qui c'est que je vais raid? Dali, 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 dada. Oh, il restream, lui. Il est sur Nova. Sergent Parker. Oh putain, par contre, il joue toujours les mêmes persos. Dommage. Moi, je l'aimais bien, lui. Est-ce que... Ah non, il n'y a pas mon petit... Il stream... Ah, je crois qu'il stream pas le week-end. Sensei! Il est con, le petit doux. Du coup, je vais vous envoyer sur... Allez, on va envoyer là. Voilà. Allez, je vous remercie. Je vous dis peut-être ou tout à l'heure, je vous lancerai peut-être un stream, tout dépend le jeu qu'on fait, si on va faire un petit jeu ou quoi que ce soit.
Ou alors si on parle du projet, bah voilà. Et merci à tous et des bisous. Ciao, ciao.